Ma parole n'est-elle pas un feu comme un marteau qui brise le roc? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Jérémie 23, le verset 29. Gloire à Dieu, le divin roi. Mes frères et sœurs, l'appel à grâce de Dieu vous soit donné. Moi, salue dans le précieux nom Christ, le divin roi. Et chaque soir, nous sommes toujours là à côté des 10 heures pour que nous prions dans la prière dimensionnelle déblocage pour la gloire de Dieu, notre divin sauveur. En ce grand dimanche qui s'avance, la faveur et la compassion de Dieu. Normalement, en pile monde toujours penser que la parole de Dieu n'a pas gagné assez de force et de pouvoir pour capable même déplacer les montagnes. Oui, certainement, mes chers amis, la parole de Dieu a le pouvoir de déplacer la montagne. Avec la foi, on est capable de dire à une montagne déplacée. Et c'est pour le temps de voir où les déplacer. Dans Jérémie 23, le verset 29, la parole de Dieu nous dit: ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu ligue tellement puissance et force. Et Seigneur a posé question pour lui dire: est-ce que parole là m'a dit non? Parole moi c'est un du feu. Parole là c'est un du feu, ligue puissance. Est-ce que m'a dit non? Parole là c'est un marteau pour déraciner, pour craser toute roche qui campait devant nous. Frère Sam, il y a un problème où là, dedans l'obligera les marteaux de l'Éternel pour dire: marteau de l'Éternel, casser roche pour moi. Pour ça passer. Et vous dit le feu de l'Éternel brûler. Alléluia, tout ça qui vient sous chez même. Le souvent nous pas utiliser la parole. Nous gagnons parole là qui c'est du feu pour jeter sous toute vie papier condamnation qui t'est faite sous nom, même sous tes connelles, même sous pas de connelles. Parole là qui a assez de capacité pour le brûler. Amen. C'est pour utiliser la parole, mes frères et sœurs. C'est pour que vous utilisez la parole de Dieu. Parole là tellement forte, tellement forte, en pile puissance, en pile force, pour nous déraciner. C'est, alléluia, un marteau qui brise le roc. Un marteau pour craser toute roche. C'est pour nous utiliser la parole lorsque nous en danger. Nous par contre ça pour nous faire utiliser la parole. Est-ce que quelquefois, ou utiliser la parole pour déclarer, pour dire: la guérison qui est en moi soit libérée, la paix qui est en moi soit libérée au nom de Jésus. Est-ce que vous souvent utilisez la parole parce que la parole a en pile force? Nous pas prier pour que bon Dieu li capable ba ou bon sens, bon comprendre pour connaître comment ou utiliser la parole, parce que parole là c'est dans Jean 1er il dit parole là devenu chair, li habiter parmi nous à savoir Jésus-Christ. Si tout bon vrai ou confier dans parole là, ou mettez la foi ou dans parole là, et ou utiliser parole là, gens pour utiliser, nous capables de faire des grandes choses, nous capables de traverser, nous capables même marcher, même Jean Jésus-Christ est marché sur les eaux, Jésus-Christ a transcendé les lois naturelles en marchant sur les eaux, il y a un pouvoir aussi pour le transcender la vie nous, mais c'est avec la parole, mes frères et sœurs. Seigneur, notre Dieu de gloire, notre puissant, immortel, invincible. Gain pile monde, Seigneur Dieu, qui pas gain puissance en parole. Yo pas connaît importance la parole, yo pas pratiquer la parole, yo pas utiliser la parole comme yon zame que ou ban nou, comme yon zame défensive, offensive. Seigneur notre Dieu, papa, aider chaque monde qui pas connaît l'importance de la parole. Que ou ba ou capacité, Seigneur, pour yo capable, Dieu trois fois saint, utiliser la parole, parce que avec la parole, Seigneur, nous capable opérer des miracles. Avec la parole, nous capable traverser la vallée les plus dures, Seigneur, notre Dieu de gloire. Moi déclarer Seigneur avec la parole que vous débloquez en pile monde qui bloqué au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire.